What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis toujours malade. Alors aujourd'hui les petits potes, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un nouveau concept sur la chaîne en fait, où on va commenter des conversations SMS hyper flippantes en fait. Tu sais, c'est le genre de SMS que tu veux pas recevoir, tu vois. Of course hein. Avant de commencer la vidéo, oublie pas le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Me rejoindre sur Instagram et Snapchat, bref, c'est parti pour un nouveau thread. Ah non, du coup c'est parti pour des SMS bizarres. Of course, oublie pas de t'abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, tu cliques sur le petit bouton, voilà, ça fait un bruit. Voilà, normalement si j'ai bien fait le montage, j'ai un bruit. Et n'oublie pas de commenter dans les commentaires, hashtag thread. Du coup, on va commencer les petits potes, et on va commencer avec la conversation de Anna, du coup, qui discute avec un inconnu en fait. Du coup, au début de la conversation, l'inconnu lui envoie bonjour Anna, donc il est poli, tu vois, il est pas en mode je vais te violer, tu vois, non. Et là, du coup, il y a Anna qui lui répond, qui êtes-vous, tu vois, c'est un petit peu logique, tu vois. Perso, je réponds, t'es qui? Bref, on continue la conversation. Après avoir envoyé le message, Anna reçoit un autre message de l'inconnu qui lui dit « Je suis tout simplement là ». Donc là, en général, quand tu reçois ce genre de message, t'es pas bien, tu vois. T'es pas dans un mood de réconfort, tu vois. D'ailleurs, oublie pas d'éteindre les lumières, hein, parce que sinon ça fait pas peur, ça pue la merde. Donc éteins ta lumière. Et au moins, tu gaspilleras pas d'électricité et tu paieras moins de factures. Donc Anna, juste après ça, lui envoie « Que voulez-vous ? » Et l'inconnu, il envoie une réponse très flippante, hein. Il envoie « Je te veux, Anna ». Donc là, on n'est pas bien, hein. Je vais regarder par ma fenêtre de temps en temps, on sait jamais, tu vois. Après ça, Anna lui demande de partir tout simplement et l'inconnu lui répond pourtant je suis là. Toujours aussi flippant le truc putain de... Donc là message de base hein, Anna lui envoie ce n'est pas drôle, arrêtez, je vais commencer à avoir peur. J'ai bien fait le jeu d'acteur ou pas, non? Quelque part ta gueule hein, on s'en fout que tu t'aimes ou pas, d'accord, j'ai bien fait, c'est tout. Anna lui répond laissez-moi tranquille et l'inconnu lui envoie je ne peux pas. Et là t'as le message de base de tous les psychopathes, tu vois, genre le message qu'il ne faut pas recevoir. Si tu le reçois c'est fini, il n'y a pas de non, mais c'est la mort. Jouons à un jeu, Anna. Et là tu sais très bien que c'est comme dans tous les films d'horreur. Anna il répond qu'elle veut pas jouer au jeu, tu vois, et l'inconnu lui dit en fait que si elle joue pas au jeu, en gros un membre de sa famille va mourir. Donc là Anna elle est obligée de jouer au jeu quelque part, tu vois. Anna lui dit qu'elle va le bloqué et l'inconnu lui dit tu ne peux pas, j'ai envie de tuer. Pourquoi je fais ce genre de vidéo à 23h? Pourquoi? Expliquez-moi les gars. À 23h je suis malade, je suis... Anna lui dit qu'il ne sait pas qui c'est, du coup il a aucune chance de tuer un membre de sa famille, tu vois. Ce qui est un petit peu logique. Le tueur lui dit qu'elle est toute seule. Donc à ce moment-là, on s'attend à ce que la meuf dise oui, comment t'as fait? Mais non, Anna elle répond que sa mère elle est dans la douche en fait. Sauf que l'inconnu lui répond plus maintenant. Pourquoi je fais des trucs comme ça, putain. Juste le fait de le lire, en fait, c'est flippant. C'est... Je te jure, gros, c'est ouf. Mais je kiffe les vidéos comme ça, tu vois. Donc si vous kiffez les vidéos comme ça, oubliez pas, comme je vous l'ai dit, maximum de pouces bleus. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu kiffes le délire. On continue la conversation. Donc là, il y a l'inconnu qui lui envoie une photo d'une meuf qui est dans une douche avec du sang, tu vois. Donc apparemment, ça serait la mère de Anna. Et Anna lui répond que ça lui fait pas peur, en gros, parce que ça a l'air d'être une photo d'internet qui vient d'internet, en fait. Et c'est vrai que n'importe qui peut te faire peur juste avec des photos d'internet, tu vois. Genre, je sais pas, ta mère, elle est black, et ben maman. Black sans douche, tu vois. Ça c'est la fièvre les gars, c'est la fièvre qui me fait dire des trucs comme ça, faites pas attention. L'inconnu lui répond, elle ne vient pas d'internet ma belle Anna. Anna elle y croit pas du tout, elle lui demande de le prouver en fait. Et là, truc de malade, l'inconnu lui envoie une photo d'elle-même quand elle est en train de dormir en fait. Et il lui pose même la question, est-ce que t'es en train de dormir il y a une heure? Là, Anna elle s'aperçoit que c'est bien elle en fait. Et que le mec du coup il est bien rentré chez elle. L'inconnu lui redit, jouons à un jeu. Anna elle commence à bouger dans sa maison, tu vois, histoire de voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a un truc qui se passe dans sa maison ou pas. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a du sang chez elle en fait. Il y a du sang qui sort de la douche. Mais c'est insane. L'inconnu lui envoie une photo d'un mur avec du sang dessus. Et lui dit, je viens de prendre cette photo Anna. Si ça m'arrive, je me suicide d'un coup. Je me fais la technique comme ça là, tu sais. Et je vais me louper comme une merde. Je vais juste me faire le plus gros torticolis du monde. Il lui dit, tu étais là. Genre, c'est en mode, il la suit dans la maison en fait depuis tout à l'heure. Mais Anna, elle le voit pas en fait. Anna dit qu'elle va appeler la police. L'inconnu lui dit qu'elle entend respirer. Là, elle envoie un message à la police. Et elle dit à la police en gros qu'il y a quelqu'un qui a tué sa mère ou qu'elle croit qu'il y a quelqu'un qui a tué sa mère chez elle. L'agent de police lui dit qu'il arrive tout de suite. Et il lui dit d'aller se cacher. Donc là, il lui demande si elle s'est bien cachée, etc., etc. Alors, vous êtes caché, Anna, répondez-moi. Sauf que là, en fait, il y a un truc hyper bizarre. C'est que l'agent de police l'a appelée Anna, sauf que Anna lui a jamais donné son prénom en fait. L'agent de police il est censé te demander ton adresse et là il lui a pas demandé son adresse en fait. Du coup il y a Anna qui lui envoie, comment vous savez mon nom? Je viens de découvrir la fin avec vous les gars, car je viens de te tuer Anna.
en fait, l'agent de police était le tueur. Et j'apprends l'histoire avec vous, les gars. J'apprends la fin avec vous. En fait, l'agent de police, c'était le tueur. Et ça se termine comme ça. Waouh, mais... Eh, je sais pas si ce que vous vous en pensez de ce truc. Moi, en tout cas, je kiffe de ouf. Donc, si ça vous intéresse vraiment que je fasse plein de vidéos là-dessus, dites-moi dans les commentaires, les gars. Hashtag thread, comme je vous l'ai dit. Faites-moi le savoir en explosant la barre des likes. Plein de pouces bleus, plein de pouces en l'air, les petits potes. Oublie pas de t'abonner si tu kiffes le délire. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Thank you.